Pop-up, qui est un jeu de piste artistique qui se déploie donc dans un quartier, comme se déploierait finalement un livre pop-up, justement. C'est aussi un clin d'œil aux fenêtres pop-up sur l'ordinateur, c'est-à-dire des apparitions comme ça et qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Et l'idée pour moi, c'est de découvrir un répertoire d'histoire et d'imaginaire d'un quartier. Pour découvrir ce répertoire, en fait, on fait une première étape qui est la collecte auprès des habitants, on interview des habitants. Et ensuite, la deuxième étape est donc l'écriture, l'interprétation. Et la dernière, et ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est donc qu'on vient jouer dans le quartier des performances qui sont jouées qu'une fois, qu'on ne pourra jamais refaire à l'identique et qu'on ne refait pas, et qui sont notre libre interprétation de cette collecte. TSO est composé de musiciens, comédiens, chanteurs, danseurs et artistes plasticiens qui sont dirigés par Angélique Cormier, qui est une des élèves de Walter Thompson, le créateur du sound painting. C'est un ensemble pluridisciplinaire qui permet de faire des improvisations en temps réel, dirigées par ce qu'on appelle un signeur, c'est-à-dire un spécialiste de ce langage des signes qu'on appelle le sound painting. Chargée des affaires culturelles. Bonjour. Ah, c'est le directeur de la FRAC. Bonjour. Parce qu'en fait, on a prévu ici donc un hippodrome. On va même faire une piste de ski. Parce que là, on a vraiment débloqué du budget. C'est l'avantage quand on est percussionniste sur ce genre de spectacle, c'est qu'on joue beaucoup de choses, aussi bien des instruments à clavier plus classiques, de la batterie, mais aussi, et c'est là où ça devient drôle, et c'est là où on aime bien aller avec Dominique, qui est l'autre percussionniste, percussion urbaine, donc tout et n'importe quoi. On a des baguettes en bambou qui sonnent très très bien, et on va taper sur tout ce qui nous tombe sous les doigts. Afin de les attirer. Vous savez que les licornes viennent de toutes les dimensions. Et on a les analphabètes. Elles viennent quand les patates?